D'un côté, il y a la piste de danse. De l'autre côté de la salle, s'est installé un coiffeur. Avant d'aller retrouver son partenaire de thé dansant, cette retraitée teste pour la première fois le shampoing et le brushing sur place. Voilà. Et la mèche, je voudrais qu'elle descende un peu, mais que vous la relevez légèrement. Oui, qu'elle est un peu gonflée. Voilà. D'accord. Je pense que c'est une bonne idée. C'est nouveau, forcément, donc tout ce qui est nouveau, les gens restent un petit peu sceptiques. Mais voilà, il faut se faire connaître et puis il n'y a pas de raison. J'espère beaucoup pour eux que ça va marcher. À côté du salon de coiffure, on peut aussi passer par la case Institut de beauté. Le concept de ce centre, baptisé l'île aux seniors, c'est donc d'associer dans un même lieu un temps de loisirs et de bien-être. Les nouvelles générations de retraités sont en forme et en quête de loisirs. C'est plus, voilà, j'arrive en retraite, c'est plus je reste au coin du feu et puis je passe ma journée à la maison. Là aujourd'hui, ils ont besoin de liberté, ils sont en pleine autonomie. Et le but, c'est effectivement de les divertir dans la journée à des moments où il n'y a rien pour eux. Les seniors, c'est donc devenu un réel marché économique. Aujourd'hui, les plus de 50 ans représentent 53% de la consommation en France. Les loisirs, tels que le thé dansant, occupent une place importante. Le retraité, quand il le peut, n'hésite plus à sortir son porte-monnaie pour se faire plaisir. C'est un petit budget quand même, c'est un petit budget. Hein, la distance pour aller danser, ou alors l'entrée, la consommation, c'est un petit budget. Mais bon, on ne fait pas attention à la retraite, vous savez. Oui, oui, mais les gens, ils aiment bien quand même passer du temps à danser, moi j'ai remarqué. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous allons au Prat de Longer. Et jeudi, nous sommes à danser à Cholet. Ça veut dire que vous arrêtez pas ? Des fois, c'est 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, ça dépend. Certes, tous les couples de danseurs ne s'adonnent pas avec une telle intensité au rock'n'roll, mais le résultat est là. Les thés dansants affichent complet et des investisseurs, comme à l'île aux seniors, misent désormais gros sur l'expansion de ce marché économique.